Salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin, premier secteur. Je m'en viens vous montrer deux nouveautés. La toute nouvelle version de la QMG, 100% refaite, et la toute nouvelle passerelle. Alors, on va y aller avec la toute nouvelle QMG, qui vient tout juste d'être refaite par le Sentier du Moulin. Alors, le tracé est le même, exactement le même tracé, mais ils ont refait la piste à 100%. Alors, vu que c'est la première fois qu'on la refait, on n'ira pas trop en fou, voir qu'est-ce qu'ils ont changé. On voit que le sol est très lisse. Ça fait à peu près une semaine qu'elle est ouverte, je crois. Il n'y a pas encore eu beaucoup de passages, la piste n'a pas eu la chance de se faire briser. Ça ici, c'est sûr, ça n'a pas changé. Ça ici. On a un petit peu de boue, mais vraiment pas si pire vu la dernière semaine qu'on a eue. Ou dormir trois semaines qu'on a eu plutôt. Oh, petite construction ici. Hop. Oui. Hop. Ça ici. Hop. Toujours super belle, super tripante ces slabs. Drop. Quelqu'un qui veut commencer, le premier secteur, c'est une des pistes très accessible, probablement la plus accessible maintenant. Je vous conseillerais ça, même avant d'aller faire la Léon. Yep. Il y a peut-être quelques features un peu plus avancées, mais on reste dans du bon intermédiaire. Fait que, super roulante. On regarde en considération que le sol est quand même très humide, très mouillé. On a eu beaucoup de pluie dans les trois dernières semaines. Donc le sol est gorgé d'eau. J'espère que ça aura le temps de sécher d'ici la fin de l'année. Yes! Ça! On vient de passer quelques features un peu plus avancées qui peuvent être évitées, évidemment. Yep! Yeah, c'est pas long! Et voilà! Ça! Deuxième section! Pas assez de vitesse pour ce saut-là. Section cross-country. Yep. Ça ici. Oh! Ici, ça s'est magané. Ça. J'espère qu'il n'y a pas de boue dans l'objectif. Si c'est le cas, je m'en excuse. Le bas ici est un petit peu plus humide. Hop! Et voilà! Oh! Ça paraît que le mois d'août arrive et qu'on a fait beaucoup de chaises parce que le cardio a baissé.
Alors, c'était la QMG 2.0. On va s'en faire une autre. Ah oui, on va en faire une autre. Alors, on a une petite permission spéciale pour la passerelle. Un immense merci, mon cher. Salut. Alors, présentement, prenons en note que la piste est fermée. Petits ajustements. On devrait rouvrir bientôt. Alors, avec la petite permission du sentier du Moulin, voici la toute nouvelle passerelle. Alors, aucune idée ce qui m'attend. Je suis très curieux de voir. Wow! That's cool. Danger, c'est bon ça. Ouh! Joli! Ça, ça. Ça. Donc, première fois qu'on fait une piste, guys. On swatch. On sait pas ce qui s'en vient. Et là, elle a l'air un peu humide. Donc, avec la pluie des derniers jours. Oh! Ça, ça ici. Encore une fois, des très belles constructions de roches. Du sentier du Moulin. Ça, ça vient d'être fait. Donc, il y a dû avoir quelques passages. Et... elle a besoin d'un petit peu d'ajustement pour être ouverte officiellement. Je sais pas, elle est ouverte. Excusez, je faisais de l'ouvert cette semaine, j'ai pas été au courant des ouvertures de piste. Alors, on continue notre chemin. On a des beaux North Shore. Ah, oh, wow! C'est donc bien cool. Un immense merci aux 110 abonnés pour la petite permission. C'est toujours super apprécié. Ça. Ah, wow! Ça, c'est un petit peu plus roulant. Là, j'ai vu le graffiti, j'ai tout changé de piste. Je vais juste m'assurer de bien vous la présenter. Wow! Ça, ici. Ah, c'est ça, longtemps dans le graffiti. So cool! So cool! Ça! Là, c'est sûr, yep! Être un peu mouillé, mais tout le réseau est quand même assez humide aujourd'hui. Il y a tellement de pluie dans la dernière semaine et dans le dernier mois même. Je pense pas mal partout. Les pistes sont humides. Ça, ça. Mais c'est encore praticable. Ligne A. Juste ici. Hop. Je vais me passer ici, comme ça. Ah. Ah. Wow! Ça. J'espère que vous avez apprécié ce petit spécial nouveauté au Sentier du Moulin. La QMG, disons 2.0, qui vient d'être refaite à 100%. La toute nouvelle passerelle. On va juste terminer notre périple. Ça. Sur les roches ici, yep. Ouh. Je suis un peu silencieux, j'ai mon chat qui m'a réveillé à 4h45 ce matin. Oui. La la la. Et je me rappelle plus où est-ce que j'arrive. En toute honnêteté, ça va être une belle surprise pour moi. Ah, live dans le centre, ben oui, non, non. Hop. Et voilà. Et on peut remonter tout de suite.
Donc, guys, c'était la QMG 2.0 et la passerelle suivie de la graffiti. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Et on se voit la semaine prochaine dans Free Art Québec. Salut, guys!